Donc, votre Lopez garantit de m'acheter pour 150 kilos et 12 mois sur 12. Il vient sur place ici et je lui cède la marchandise à, disons, 7000 le kilo. On ne peut pas trouver mieux. Bon, d'accord, mais nous, on prend les risques de transport, alors. Et en plus, on court-circuite les Colombiens, vous voyez ce que ça implique? Il va falloir faire la guerre, mon vieux. Court-circuiter les Colombiens, c'est un risque, mais on le prend des deux côtés. Alors, pourquoi on ne partage pas les risques aussi? Vous garantissez votre livraison, disons jusqu'à Panama, et après, on vous les prend. Panama, c'est risqué. Ça coûte beaucoup plus. Panama, je suis forcé de vendre 13 500. 13 500? Mais vous êtes complètement dingue. 13 500. Faut encore qu'on livre la cam en Floride, merde. C'est qu'on vit une drôle d'époque. On a d'abord cette vache des marines qui fouine partout, les hommes grenouillent en plus. On a les avions renifleurs équipés d'un repérage satellite. Et on a par-dessus le marché les hélicos d'attaque qui nous foutent une merde d'enfer. Est-ce que vous savez qu'on perd un chargement sur neuf? Je vous jure que c'est pas une promenade, un bon conseil. Passez la main à 13 500. À votre avis, alors, qu'est-ce qui serait raisonnable? Excusez-moi, on me demande. Montana, qu'est-ce que tu fous, mon Dieu? Tout négocier de la part de Lopez? C'est ce que tu veux? Non, reste relax. Ben moi, je m'en fais pas. Mais toi, tu devrais m'en faire. Si lui veut traiter, c'est à lui de voir, pas à toi. Je fais pas 36 coups la fois, c'est tout. Ok, va te faire enculer. Moi, je te préviens. Moi, je t'encule. Faut ouvrir l'œil et fermer ta gueule. C'est tout, laisse tomber. T'en fais pas pour ça, ok? Tu sais pas où tu mets les pieds, ta tête est pas bien sur tes épaules. Tu devrais quand même faire gaffe. Pourquoi tu lui en parles pas? Tu crois qu'il a envie de foutre du fric en l'air, hein? Oh, ouais, ferme ta gueule, tu veux? C'est moi qui cause ici, c'est pas toi. T'es là pour me protéger, alors reste derrière. Je préfère voir tes fesses que ta gueule. Elles sont plus agréables à regarder. J'ai dit la ferme, hein? Ça me demande comment Franck va la prendre, celle-là. Maintenant, tu la boucles, c'est moi qui causerai. Bon, où on en était? Panama. Vous cherchez un partenaire. C'est un peu ça, oui. Écoutez, monsieur Sosa, nous jetons un peu loin les bouchons. Ouais, c'est moi que Franck envoie ici, et pour acheter 200 kilos. C'est tout, c'est ma limite. Je n'ai pas le droit, et personne n'a le droit de négocier à la place des Francs, vous comprenez? Pourquoi tu ne laisses pas finir ce qu'il a à dire, qu'il fasse une proposition? C'est après qu'on parlera. Montana, tu n'as pas le droit de discuter ici, tu entends? Je t'ai introduit dans ce putain de business, alors fais pas chier l'affaire. Franck, il va tout approuver. T'en fais pas pour ça. C'est à Franck de voir, pas à toi! Je vous demande pardon, monsieur Sosa. Non, non, je vous comprends. Vous avez raison. Faut peut-être voir ça avec Franck. Très bien. Mais cette question-là, je ne peux pas la traiter par téléphone. Par contre, dès que j'aurai redébarqué à Miami, j'en aviserai Franck, personnellement. D'accord. Mes associés vont vous escorter jusqu'à mon hélico. Mon hélico vous déposera à Santa Cruz. De là, j'ai un jet qui vous mettra à Miami en 5 heures. Vous pouvez être venu ici demain pour le déjeuner. D'accord. Ok. D'accord. Hasta mañana. À la prochaine fois.